Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Aujourd'hui, c'est le 31 octobre 2023. Nous sommes donc le dernier jour de ce mois d'octobre que nous avions commencé ensemble. Et voilà que Dieu nous a prêté vie en nous faisant justement arriver à cette journée d'aujourd'hui, de fin du mois d'octobre. Donc demain, nous commençons le mois de novembre. À un mois juste de cette élection présidentielle que tout le monde attend, qui fait jaser, qui on ne connaît pas, qui sera proclamé le président, le prochain président de la République après ces élections-là prévues au mois de décembre. Donc, moins de 60 jours, parce que ça doit se passer entre le 20 et le 24 décembre 2023. Aujourd'hui, je viens encore auprès de vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour des réflexions, toujours des réflexions, parce que c'est à partir de ces réflexions-là que nous pouvons dégager les solutions pour notre pays. Nous devons connaître d'abord ce que nous voulons pour que nous puissions savoir comment est-ce que nous pouvons trouver la solution. Contact Pro Live ici, nous nous sommes chargés en nous disant, nous allons réfléchir et vous donner de la matière, et donner plutôt la matière à tous ceux qui veulent diriger notre pays. La matière, c'est quoi? Vous faisant voir que la réalité de notre pays doit être au-delà de tout. Alors, nous allons parler de quoi? Nous allons parler du projet de 145 territoires. Pourquoi le projet de 145 territoires? Parce que nous avions pensé que ce qui doit se passer en République démocratique du Congo, c'est que le gouvernement central, dans cette configuration dans laquelle elle est, si le gouvernement central pouvait poser des actions pouvant arriver à tous les 145 territoires, nous pourrons avoir des résultats qui feront à ce que notre pays avance d'un cran. Mais ce que nous voyons, le gouvernement pose des actions par-ci, par-là, qui peuvent aussi être louables, mais elles ne sont pas visibles sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Alors, dans cette émission d'aujourd'hui, nous allons essayer un peu de réfléchir sur ce projet de 145 territoires, comme nous l'avions conçu depuis 2019. Depuis 2019, nous cessions de crier auprès du président de la République, « Please, président Tobandela, zéro ». Please, président Total Amakambo, il y a trop de détournements, il y a une certaine imbroglio qui fait que même les bonnes actions que Félix pouvait mettre en place ne peuvent pas se voir parce que le pays est trop grand et parce que ce n'est pas lui qui doit détenir tout. Voilà ce qui va nous réunir cet après-midi ou bien ce soir, vous qui me suivez ce soir dans cette émission qui durera pratiquement dans les 20 à 30 minutes. Donc, soyez là jusqu'à la fin pour comprendre un peu le message, parce que c'est ça au fait Contact Pro Live. Avant d'aller un peu plus loin, donc nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur le réseau, donc dans l'internet, et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet, le développement de 145 territoires. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. 9e jeu de la francophonie, Kazadi vs Kwanja. Qui dit mieux sur le financement? Et puis cette mise en garde de l'évêque Albert Kankienza à Christophe Mboso. On va sur actualité.cd. Sango ya Bomoko, la constitution de la RDC bannit la discrimination en matière d'éducation sur base du sexe. Et puis, des candidats à la présidentielle, dont Katumbi, Fayulu et Mukwege, réclament la publication des listes électorales dans chaque bureau de vote et demandent une réunion urgente avec Denis Kadima. Affrontement entre jeunes candidats à Idiofa dans le Kwilu en raison d'une campagne électorale prématurée. Depeche.cd. Félix Tshisekedi lance le premier maison de l'entrepreneuriat et innovation. Élection 2023, la CENI police et la police font le point sur les aspects de la sécurité.
Goma, guerre du M23, du nouveau accrochage signalé au nord de Goma ce matin du 31 octobre 2023. 7 sur 7. Zessanga, le mandat de Félix Tshisekedi a finalement été banal. Et puis, promotion de la classe moyenne, Félix Tshisekedi face aux jeunes entrepreneurs ce lundi à Kinshasa. Kasaï Oriental, la gouverneure intérimaire, publie son gouvernement. Radio Okapi pour terminer, libéré par l'armée, près de 50 ex-otages de ZDF retournent dans leur foyer. Et puis, football féminin ici, l'Afrique du Sud a cartonné 2-0 le Léopard à Johannesburg. Et puis, Nord Kivu a calmé à Kibumba des tirs sur l'axe Kanyondoni. Merci, on se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, donc l'actualité est prédominée par ce que vous connaissez tous, les contentieux à la Cour constitutionnelle. Hier, la Cour constitutionnelle a dévoilé ce qu'il pouvait faire. Bon, nous osons croire qu'il a quand même apaisé certaines personnes et tout le monde a été reconduit. Donc, je crois que nous allons jusqu'à la proclamation, bien à la définition des 25 candidats qui sont là, qui vont concourir à ces élections-là. Nous espérons que tout le monde aura la même chance pour concourir à cette poste-là du premier citoyen du pays, donc aux élections, et qu'on n'a pas laissé dehors quoi que ce soit, et espérant que ces élections-là seront inclusives. Une question reste, c'est l'organisation de ces élections-là. Il y a encore beaucoup de zones d'ombre que les gens avertis pensent que peut-être que ces élections-là n'auront plus tard. Selon les dires de la CENI, selon les déclarations même de la CENI disant qu'il y a des contraintes qui pourront peut-être faire à ce qu'on pousse ou bien on repousse les élections à une date ultérieure. Alors, revenons à nos moutons. Nous avions parlé ici depuis 2019. Du projet de 145 territoires. Pourquoi nous disons ça, Bandeko? Bao Bozana Rezo, Bozotala, je crois que nous tous suivons les images qui nous viennent de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a beaucoup trop d'images, mais ici, focalisons-nous. Ce n'est pas la première fois. Le journaliste d'investigation qui s'appelle Israël Mutombo a montré certaines écoles. Moi, j'ai des images que moi, j'ai des images de Kikyo, de l'école de Kikyo. J'ai des images aussi des villages très profonds du Congo profond, qui fait en sorte que ça fait très mal de voir où est-ce que nous en sommes. Notre pays est vraiment trop grand, de façon que le gouvernement peut oublier certains coins. Ou peut-être l'argent peut être qui est destiné à ce coin-là peut être détourné et on oublie. Ce qui se passe à l'Équateur, c'est la même chose ce qui se passe au Sankuru, c'est la même chose ce qui se passe à Beni. Et ça, c'est ça qui nous a poussé à réfléchir sur le développement de 145 territoires comme projet phare que Tshisekedi devrait entreprendre. Nous avions pas voulu à ce que ce soit les bâtiments qui doivent être construits. Nous devions poser les bases d'un climat des gens qui devront se connaître d'abord. C'est comme ça que nous nous sommes dit, dans le projet de 145 territoires, comme nous l'avions conçu, devrait être un projet qui devrait rapprocher d'abord la population, qui devait d'abord personnaliser, donc conscientiser la population que ce pays nous appartient tous et que nous tous, nous sommes engagés dans le développement de ce pays et que nous sommes tous être là pour contrôler, pour assurer que les choses que nous disons que doivent se faire, devraient se faire. Et ces choses-là ne devraient pas être faites par les Chinois, ne devraient pas être faites par quelqu'un d'autre, mais ça devrait être fait par le Congolais. C'est là où nous nous sommes dit, il faudrait que les gens qui veulent diriger ce pays puissent
amener au peuple congolais à leur faire sortir de cette léthargie, de cette mensonge qui a été inclus dans la tête des Congolais en le faisant savoir que non, c'est Kinshasa qui devrait faire tout, leur construire les routes, leur construire les écoles, leur construire tout, et que en retour, ce gouvernement devrait avoir tous ces minéraux, tout ce qu'il pouvait avoir comme économie devrait être géré à partir de Kinshasa. C'est ça le grand mensonge. Et que c'est ce grand mensonge-là qui nous a mis dans le pétrin. Ainsi, nous autres, nous avions dit, nous devons réfléchir d'une autre façon, d'une autre manière, en faisant le projet de 145 territoires comme un projet phare pour conscientiser d'abord le peuple congolais au niveau de la base, en disant que vous êtes le custodien de votre propre avenir, vous êtes le constructeur de votre propre territoire. Et c'est par là que nous nous sommes dit que les choses pourraient aller mieux et se faire autrement, où les Congolais pourront se dire que non, dans notre territoire, voici quel est le programme. Dans 2 ans, qu'est-ce que nous devons faire? Et c'est par là que nous nous sommes dit, c'est ça le fondement. Parce que, écoutez, quand vous écoutez les gens, vous parlez sur Kinshasa, sur la République démocratique du Congo, ils attendent tout de Kinshasa. Ils attendent tout du président de la République. Mobutu, une fois, avait dit que le président de la République, ce n'est pas un magicien. Même si aujourd'hui nous élisons Mukwege ou bien nous prenons Katumbi et lui laisser faire lui-même, ce n'est pas lui qui viendra construire le barrage de Katende. Là, non. Ça doit être les Kassaïens eux-mêmes. Et c'est comme ça que nous nous sommes dit. La force que le président de la République devrait avoir, ça sera de remettre le pays sur le rail du travail. Il faudrait que le peuple congolais commence à se prendre en charge. Etienne Tshisekedi l'avait dit. Je ne sais pas si beaucoup de gens avaient compris ça. Le salut de notre pays n'appartient pas, ou bien n'est pas dans la main d'un homme. Le salut de la République démocratique du Congo n'est pas dans la main d'un homme en disant que non, Mukwege viendra faire. Non! Mukwege peut venir, ou bien Félix lui-même peut être là, mais donner cette impulsion à ce que les Congolais puissent se prendre en charge, à mettre ensemble les Congolais pour qu'ils puissent travailler. Comment quelqu'un peut se réveiller un matin, il détourne 300 millions de dollars, 50 millions de dollars, et que personne ne dise quoi que ce soit? Quels sont les mécanismes qui font à ce que ces gens-là puissent voler de l'argent et que le pays reste comme ça? C'est parce que nous sommes tous divisés. Le pays n'existe pas. Il faut faire exister le pays. En faisant exister le pays, c'est-à-dire qu'il y a un système qui va gérer tout le monde en se disant « Oui, nous sommes les hommes, nous sommes à la tête des institutions, mais ces institutions se contrôlent entre eux. » Nous devons éviter ce que nous avions vu dans la ville de Kinshasa où les institutions n'existent pas, il n'y a que 2 hommes qui sont en train de se battre. Oh Ngaï, moi c'est le président, moi c'est toi, moi c'est ceci, moi. Et finalement, le président de la République entre dans le jeu, il appelle ces hommes-là en disant allez-y, allez travailler ensemble. Non! Il y a des choses qui se passent et qui ne peuvent pas exister en ce 21e siècle où ça doit être l'État congolais qui doit nous... Nous devons travailler pour cet État-là. Nous ne devons pas travailler pour les hommes. Et c'est comme ça que nous nous sommes dit, les 145 territoires devraient être ce projet-là qui devait remettre le Congolais en place en disant « Nous avions commis des bêtises et voilà maintenant une nouvelle façon de faire les choses. » Comment est-ce que nous allons avoir foi à ces gouverneurs-là que nous élisons? Ba député Nabiso Bakoloba Nini, quel est le problème que nous avons et qui mérite à ce que nous puissions le résoudre? Comment est-ce que nous pouvons être en mesure de construire nos routes ici dans nos territoires? Comment est-ce que nous pouvons être en mesure de nous contrôler pour que nous ne puissions pas être des tricheurs? Et c'est comme ça que nous nous sommes dit, les bases étaient dans le territorial. C'est comme ça que nous nous sommes dit, en lançant un programme, un projet, une vision,
qui va toucher tous les Congolais en même temps, ça sera une début des solutions. Le projet de 145 territoires, nous avions dit que c'était un projet de remettre les Congolais autour d'une table afin qu'ils aillent causer sur une nouvelle façon de gérer leur pays. C'est-à-dire quoi? Réfléchir sur une nouvelle constitution. Réfléchir comment est-ce que nous pouvons nous identifier et reconnaître celui-ci c'est qui? Qui fait quoi? Dans nos territoires, ça ne doit pas être l'apanage de quelqu'un qui vit à Kinshasa et qui ne connaît pas Lubero et il dit qu'il va venir identifier les gens de Lubero. Sinon, nous commettrons toujours les mêmes choses que le blanc faisait. Nous devons changer les choses en responsabilisant justement les Congolais. Nous voulons assez que quand nous avons un administrateur de territoire, ce n'est pas un chef, ce n'est pas un roi, non. Ça doit être quelqu'un qui est contrôlé. Il doit se sentir responsable. Et que si soki asali mbeba bakokangaye, soki asali oyo baninga balobite ke ye fallait asala, il faut akangama. Mais aujourd'hui, regardez ce qui se passe dans le jeu de la francophonie. C'est le pouvoir qui s'accuse entre eux et les gens se défendent parce qu'ils savent que ezama sano. Et la vie de notre progéniture est mise en danger. Pourquoi? Parce que nous ne construisons pas l'État. Nous nous battons entre nous les hommes. C'est ça le grand problème. L'État n'est pas en train d'être construit. Après nous, nous allons encore léguer nos enfants pour venir encore se battre pour eux-mêmes. Mboke kozala eko keneneni. Tuta djenga ka intinam na gani. Et c'est comme ça que nous nous sommes dit, le chemin que nous pensons ici à Contact Pro Life, qui peut nous aider, c'est celui-là, des 145 territoires, ou dans les territoires. Les gens seront capables de se dire que non, ici nous produisons du maïs. Et ce maïs ici peut nous servir à avoir de l'argent dans notre caisse. Et cet argent-là pourra nous aider à construire un bâtiment, à résoudre des problèmes ici dans notre pays, dans notre territoire. Et ainsi, tous les territoires se mettant ensemble en se disant, ici nous avons autant de commerçants, et ce sont, voici, il n'y a pas de population ici, venez nous aider. Quelle est la politique que nous devons adopter pour que nous attirions les gens de venir chez nous? Les gens qui viendront, ils vont s'adapter justement à ce que nous faisons ici. Je ne dis pas, quelqu'un m'avait dit, avec mes idées, peut-être que je suis fédéraliste ou quoi que ce soit. Non, mes chers amis, nous pouvons avoir le même structure de notre pays, mais rétrocéder le pouvoir, même dans la Constitution, c'est écrit. La décentralisation n'a jamais été faite, mais c'était une idée. Depuis l'indépendance, on se bousculait en de faire le fédéralisme ou quoi que ce soit, mais l'unitarisme a été adopté, mais malheureusement, voilà où ça nous amène. Dans un pays où l'unitarisme est plus grand, le tribalisme arrive. Le tribalisme prend place. Pourquoi? Parce qu'on veut protéger son pouvoir. C'est comme cela que nous nous battons pour les hommes maintenant. Et c'est ainsi que, pour revenir à ce que je disais, le projet des 145 territoires, ici nous l'avions expliqué à ce que le président Félix, en 2019,
de renvoyer tous les députés, où les députés pourront être là. Mais pendant les vacances parlementaires, le travail qu'ils devraient aller faire, c'est d'aller maintenant mobiliser le peuple congolais à la base en disant, voici les territoires, qu'est-ce que nous pouvons faire? La première année déjà en 2019, nous demandions au président de la République de se focaliser sur l'identification de la population, préparer le texte qui pourront avoir comme... objectif d'identifier le Congolais afin que le Congolais puisse avoir une carte d'identité bien spécifique et bien protégée pour que nous puissions connaître qui fait quoi. À ce moment-là, l'autorité de l'État pourra revenir. L'autorité de l'État ici, je peux vous dire, ce n'est pas les militaires. Comme nous sommes en train d'attendre, oh non, oh, à l'est de la République démocratique du Congo, nous devons rétablir l'autorité de l'État, c'est-à-dire chasser le M23. Vous pouvez chasser le M23, mais l'autorité de l'État n'est pas là. L'autorité de l'État, c'est-à-dire que l'État est capable de prendre ses responsabilités. Il est au-dessus de tout le monde. L'État devra être au-dessus de tout le monde. C'est comme ça que nous avions demandé à Fachi, pardon Fachi, Tobandela zéro, Sokyo Lingi Mboka Oyo, implémenter une vision qui touchera tout le monde, tous les Congolais, Azonga na Mulongo. Comment contraindre? Comment aujourd'hui nous pouvons encore se poser la question que quelqu'un puisse avoir une attestation des nationalités que nous contestons même tous, nous les Congolais. Parce qu'il n'y a pas une procédure. Tambwe Mwamba va dire ce qu'il veut, tout ça. Nous vivons au rythme de dire des gens et les choses qui sont écrites ne sont même pas respectées. Mais si nous commencions déjà à nous réunir au niveau des territoires en circoncisant, en se disant, chaque territoire, vous devez maîtriser votre coin. Et la maîtrise de votre coin va demander quoi? Ça va demander l'identification de la population. Mes chers amis, je vous avais promis, je crois que c'était au début de cette année, vers le 7, le 8, je vous avais promis, je vais vous montrer dans la prochaine émission ce qui se passe ici en Afrique du Sud. C'est-à-dire comment la carte d'identité, elle est très très importante et comment le gouvernement sud-africain redistribue les richesses en liquide pour promouvoir quoi? Le business et tout le monde. Et tout le monde, à la fin du mois, vous allez voir, ça c'est une surprise. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne pour ne pas manquer cette émission de la semaine prochaine. Vous verrez que nous sommes encore très loin. Et ce que nous sommes en train de vous dire ici pourra peut-être nous faire sortir de ce marasme-là dans lequel nous sommes. L'identification de la population, elle est très importante parce que c'est par là que nous saurons où construire, où est-ce que la population est concentrée. Je crois que même avant d'arriver là-bas, l'exemple typique est que quand vous voyez par exemple le programme du gouvernement, il y a ce qu'on appelle, ils appellent, on privilège beaucoup plus la ville de Kinshasa. On dit que la ville de Kinshasa, c'est le miroir de notre pays. Et beaucoup d'argent de la République se dépense justement à Kinshasa. Pourquoi? Parce que c'est là où est concentré. Tout le monde veut aller à Kinshasa. Si tu veux de bonnes écoles, tu vas à Kinshasa. Si tu veux quoi que ce soit, tu vas à Kinshasa. Et on a oublié l'arrière-pays. Et c'est ça qui est très, très, très dangereux parce que tant que on a ma misère au arrière-pays, ça nous fait très mal, mes chers amis. Ainsi donc, nous sommes dit, le plan était quoi? La solution était quoi? La solution était d'attiser d'abord cette tension de haine que le peuple congolais a l'un envers l'autre. Et cette haine vient pourquoi? Parce qu'il y a une certaine incompétence du gouvernement de mettre les gens ensemble. Nous sommes rarement mis d'accord sur un sujet. Regardez, depuis 60, pour tout simplement trouver, je donne un exemple, un gouvernement, parfois nous faisons 3 mois, parfois même 3 mois pour avoir un gouvernement. Regardez quand Tshisekedi est venu, pour avoir ne fût-ce qu'un premier ministre, ça nous a pris 3 mois.
Les parlementaires sont partis, on n'a pas pu avoir un premier ministre. Et c'est ça qui... Donc, il s'agit qu'ici, les Congolais ne s'entendent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une certaine procédure que nous respectons. C'est comme ça que nous nous sommes dit, commençons d'abord au départ, reconstruisons notre pays, mettons les bases de notre développement. Et les bases de notre développement doit être cette manière de fonctionner qui doit être comprise déjà au niveau des territoires pour que nous ne puissions pas avoir de problèmes au niveau national. Nous devons déjà nous mettre d'accord au niveau des territoires sur le mode de gestion de notre pays. Comment nous sommes gérés? Comment est-ce que, quelles sont les responsabilités d'un tout un chacun? Quelles sont les responsabilités de chaque ministère? Comment les ministères pourront se contrôler l'un de l'autre? Quels sont les profils des gens qui doivent animer ces institutions-là? Nous n'avons pas de profil. Donc, vous pouvez être aujourd'hui Germain Lelo ou Kei, na Kinshasa, bombardé au ministre, et tu te débrouilles comme ça, tu n'as aucune notion. Nous avons vu des gens qui n'avaient aucune notion sur le carburant, ils sont bombardés, ministre des hydrocarbures. Et tout ça, ce sont des imbroglios. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fondement. Base Zalite, tout ça, base Bandeko. Construisons la base de notre pays. La base, c'est quoi? C'est l'entente. C'est la connaissance de ce peuple-là que tu veux diriger. Il faut que ces gens-là puissent se connaître. Il faut que le peuple congolais puisse savoir qui est congolais et qui ne l'est pas. Ici, en Afrique du Sud, il est difficile d'avoir cette carte d'identité. Et puis, ça, c'est la Kango fier, tu ne peux pas croire. Si tu n'as pas de carte d'identité, tu n'es pas connu. Quelqu'un m'avait dit qu'en Arabie Saoudite, c'est encore plus pire. Les Saoudiens, il y a ceux-là qui ne travaillent pas. Mais que le gouvernement connaisse, bah, yébi que waza Saoudien, bah, fouta kaev chaque fin du mois, parce qu'ils ont de l'argent. Mais biso, toko fouta, ba grande sociale, toko fouta angondeni. Est-ce que nous connaissons les vieillards de notre pays? Nous ne connaissons pas. Depuis 1960, ça n'existe pas chez nous. Et c'est ça la base d'un pays moderne, c'est connaître sa population. Et c'est par là que nous sommes dit, tant que tu peux construire base wanate, tu peux banda ko finga na kaka, yoza rwandais, oh yoza boye, yoza congolais, te yoza, ça sera toujours de la cacophonie. Et le meilleur moyen de le faire, c'est par l'identification nationale au niveau des territoires. Mutuna mutuaza la aleza eba kingo, aweze panabiso, aweze panangai. Même si je suis congolais, mais je suis Mouluba. Parce que je suis congolais, mais je ne serai pas Mukongo. Jamais je ne serai pas Mukongo. Na botama ki munande, na kokufa munande, na kozala jamais. Même si mes enfants, par exemple, na boti bango tout ça, na une femme qui n'est pas munande, mais ces enfants-là porteront cette origine. Mes enfants commencent un jour à me poser la question, papa, nous t'avons vu partir de chez vous, où est-ce que vous, tu viens d'où, au Tiwapi? Parce qu'on leur pose les questions ici à l'école. Vous êtes originaire du Congo. Un jour, mon fils me pose la question, mais de quel côté du Congo d'où vous venez? Je lui ai montré ma vidéo quand je suis parti là-bas. Il me dit, ah, papa, c'est là où tu viens. Je dis, oui, c'est de là où nous venons. C'est pour cela qu'on nous appelle étrangers ici. Mais vous êtes né ici, mais moi, je ne suis pas sud-africain. Et tout ça, ça reste, mes chers amis. Et c'est par là que nous devrions commencer. Nous ne devons pas être pressés. Je ne dis pas que cela pourra se faire en une année ou bien en 6 mois, non. Mais c'est d'abord cette vision-là de recommencer les choses à mettre de l'ordre dans notre identité avant de penser tout développement. Parce que la reconnaissance même de notre identité, c'est le début du développement. Lorsque nous avons conscience que ce pays ne devra jamais être bâti par quelqu'un d'autre que par nous-mêmes, nous prendrons conscience et nous mettrons le garde-fou pour que les gens ne puissent pas badiner avec nous. On se moque de nous, pourquoi? Parce qu'effectivement, nous n'avons pas cette conscience-là. Nous n'avons jamais eu cette conscience-là de se dire « Mboka oto sukisi ango wapi ». Mboka ango tozo kende nango wapi. Un Chinois peut arriver aujourd'hui chez nous, il prend même la carte de lecteur. Vous imaginez?
Donc, c'est ça donc le base que nous avions dit. Le projet de 145 territoires tel que conçu aujourd'hui, le gouvernement est mal parti. Mais si elle était construite dans l'idée de rassembler les personnes et que ce projet-là devrait être impacté la vie de tous les citoyens congolais partout où il est, Félix aurait déjà fait quelque chose de grand. À ce moment-là, il y aurait moins de corruption, la responsabilisation des projets par les gens qui sont dans la base. Ainsi, nous pourrons continuer. Donc, nous allons nous arrêter ici. Continuez à vous abonner sur cette chaîne pour que vous ne puissiez pas rater comment est-ce que nous sommes en train d'expliquer la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Ça sera une bonne chose si les gens qui veulent diriger le pays adoptent cette méthode-là pour la réussite de notre pays. Donc, merci beaucoup. J'espère, si vous me suivez là pour la première fois, si vous aviez aimé, laissez un petit like. Si vous pensez que vous pouvez m'appeler, le numéro de téléphone s'affiche là. Je suis toujours online. Si vous pouvez me laisser le message, je peux vous rappeler. Donc, portez-vous bien. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir.